Bonsoir, avec un point net, on est avec Scara et Lipton. La Capana vient tout juste de terminer après leur défaite 2-1 contre Mix Kappa. Comment ça va? Là, chaud, pas super. Mais... Bah pareil, hein. Pareil. Ouais, pas super. Pas super. Alors, tout d'abord, quand même bien joué, vous êtes quand même arrivé deuxième. Vous avez d'abord affronté Red Instinct, donc vous avez perdu sur Mirage, je me souviens bien, sur Cobblestone. Ensuite, vous jouez, après le forfait de Mix Kappa hier soir, vous avez joué Platinum ce matin, enfin cet après-midi plutôt, en BO3, vous gagnez 2-0, après un long un overtime. Et ensuite, vous perdez contre Mix Kappa. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Avec talent, Le premier match contre Red Instinct. Alors moi perso au niveau des PC c'est les FPS, les FPS c'était pas terrible. C'est des 22-33 donc on peut pas jouer en full réseau. Et moi ça m'a fait ultra mal au début, j'ai pas réussi à me concentrer sur autre chose que ça. Et j'ai raté des trucs, mais les gens, je crois que mes mates encore ils ont réussi à bien s'adapter globalement, ils font tous 20 kills. Je suis à 6. On commence une bonne remontée, je crois, et au final, dernier round, moi qui me rouvre, j'en aurais parlé tout le temps, et on fait une phase longue, j'en chope deux de dos au Tech 9, ils sont complètement surpris, ils sautent même sur place tellement je les ai choqués, et je vide mes 24 balles, je crois que j'en casse 15 sans faire exprès, parce que j'arrive pas à suivre, l'FPS me permet pas d'aller, ma souris suit pas, ça s'est mal passé, quoi, et on perd là-dessus, donc on était un peu énervé, mais surtout par rapport au matos, qu'on avait l'impression de pas vraiment avoir eu la chance de jouer selon nos meilleurs moyens. On a fait qu'un match, après il y a eu les Serbes, mais les Serbes ça c'est... voilà. Ensuite Platinum, aujourd'hui. Platinum, on commence globalement bien, pareil sur Mirage. Je crois que ça se passe bien globalement, on mène 14-7... On s'était chaud, on gagne 8-7, on passe en terreau, on met les 7 premiers rounds, il y a 14-7 pour nous. Et après, ils nous remontent, ils vont chercher l'overtime. Chaud quoi, on était bien partis. Et sur l'overtime, on les sanctionne bien ensuite, on se réveille bien. Ils étaient pas loin d'aller chercher le deuxième et on a réussi à conclure. Et deuxième map, Cobble, c'était Cobble la deuxième, c'est ça? Ouais, c'était Cobble, ouais. Et Cobble. Cobble de mémoire, ça s'est bien passé, je crois il y a eu 16-10, on s'est senti à l'aise je crois globalement. Et puis après là, Mix Kappa en finale. Mix Kappa en finale, c'est Apex qui lead. Bon, ça se ressent vraiment, au niveau de comment il gère tous ses joueurs partout sur la map. Et puis lui il est malin, je crois il a terminé toutes les maps à 30k. Et vraiment il est malin, il nous pique un par un globalement sur les zones pour Mirage. Sur Inferno on arrive à jouer bien paquet et vu qu'ils sont CT et qu'il peut pas jouer non plus pour 5, là on s'en sort beaucoup mieux. Et Cobble, on gagne 0 duel je crois concrètement, ils nous mettent 16-1, ils nous mettent 14-1 en terreau sur Cobble. On gagne 0 duel, on se fait surprendre sur des trucs à la con, ils nous font nous déplacer partout sur la map, on sait jamais combien ils sont à un endroit ou un autre, on sait quasiment pas où ça va finir globalement, parce que niveau prise d'info ils nous deny de ouf. Et c'est là où je dis où Apex je pense il est malin et dans la manière où il a géré ça, c'est on a eu vraiment vraiment très peu d'infos et ils ont même pas joué fast, c'est ça qui est ouf. Et ouais BG à eux, hein, un gros BG à lui, et ses joueurs ils ont bien assuré derrière, même si sur Inferno il s'est un peu énervé, mais voilà. Et nous ultra déçus, on s'attendait clairement à faire mieux, 16 ans c'est vénère quoi, c'est sévère pour terminer l'événement. On va revenir vite fait sur l'event. Du coup on a parlé des PC qui tournaient, qui avaient des problèmes d'FPS, les écrans qui n'étaient pas en 1920. Qu'est-ce que tu peux dire sur l'organisation, sur le planning, tout ça? Je te laisse, Hilton. C'est simple, déjà on arrive le dimanche, on se rend compte qu'au final, en 48 heures, on a fait un seul vrai match, qui était Red Instinct, en sachant qu'on a dû s'adapter rapidement au setup, tout ça. Donc les PC qui sont immondes, jouer en sur des 22-33 alors que t'as l'habitude de jouer sur ton BenQ depuis longtemps, donc c'est dur. Au niveau de l'organisation, c'était le néant, clairement.
moi j'ai passé une de mes pires LAN et de loin, je pense vraiment. Les admins, il y en a un, le pauvre, je crois que c'est Gus, et il est tout seul. J'avais vraiment l'impression qu'il était solo. Enfin, je sais pas, il y avait quand même 50 joueurs à gérer. Enfin 50 joueurs sur ceux qui restaient, quoi. Parce que vraiment, si White et Blue sont partis, c'est qu'il y avait une raison. Pour moi, ils avaient vraiment raison, parce que ça fait un peu, je sais pas, moi je pense que certes l'événement était un peu merdique, mais voilà, enfin, je trouve que c'est un peu irrespectueux de leur part de partir, même si c'est vrai que l'organisation est un peu irrespectueuse, en sachant que c'était un peu le tournant de la fin de l'année, c'était tout le sub-top qui s'affrontait, et ça permettait à tout le monde de jauger un peu et de pouvoir réussir à classer le sub-top. Et au final, on arrive à un event où on a clairement l'impression qu'on se fout de notre gueule, en fait. Et il y a des équipes qui s'entraînent depuis 2 mois. Nous, ça fait un peu 6 mois qu'on attendait cet événement, au final. Et bah, clairement, on est déçus. Enfin, on n'a pas pu jauger par rapport au LTLC. Et clairement, pour nous, on est déçus, quoi. On est déçus. Moi, je peux juste préciser que je trouve que... Je pense pas que ce LDLC qui se barre soit un manque de respect vu la LAN, comment elle s'est déroulée. Et moi, concrètement, je comprends qu'il soit parti. Alors après, pour nous, c'est clair que, comme Zayton, on l'attendait, l'événement, et ça a été une déception de ouf. Et on est mine de rien, il y a quand même du cash à se faire, donc on est resté. Mais clairement, moi, je suis LDLC, j'ai les mêmes moyens qu'eux. Je pense que j'aurais fait pareil. En vrai, c'est vrai que sur l'événement, c'était plus considéré peut-être comme un événement majeur français, comme peut-être au même niveau que la, pas au même niveau que la Gamers Assembly, mais dans ces eaux-là, voilà, dans ce groupe-là, il y a la Gamers Assembly, la DreamHack Tour et la Paris Games Week Open. Et ensuite, pour finir l'année, la Cap Arena, quoi, il y a quand même pratiquement 10 000 euros à se départager, et au final, c'était quand même dommage ce qui s'est passé, quoi. Ensuite, on va faire un petit bilan de l'année. Est-ce que tu peux nous faire un bilan de l'année, notamment vous avez remporté l'Ultimate 5 fois d'affilée. 4 fois ou 5 fois, j'ai compté. 5 fois d'affilée, ouais, parce que 5 fois, ouais. J'ai compté. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Globalement, l'année, ça s'est bien débuté. Ça s'est fait un peu bizarrement, l'équipe. Pierre et moi, on savait qu'on allait jouer. Enfin, Pierre, MNPK, on savait qu'on allait jouer ensemble quand il rentrait. On avait déjà mis notre choix sur Alu. Lipton, on n'était pas sûr. Au final, on a fait le choix de le prendre. Et on avait aussi la première Ultimate qu'on a gagnée, qui était avec Ada d'ailleurs à la place de NPK. Et il y avait Uzi qui venait. On a vu Uzi comment il joue. Enfin, même là maintenant, clairement, il apporte, quoi. Vraiment. Les ultimates, c'est pour CC. Je veux dire, il est ban. Niveau LAN, on s'est fait quand même deny. Le SWC, c'était avec un LAS. A raison, hein, je veux dire, Uzi, il a été ban pour ce qu'il a fait. C'est clair que c'est dur un peu de. C'est dur de pas avoir vraiment de gros objectifs, des petits trucs comme ça. Il y a eu la LANEX qu'on a faite où on s'est fait peur aussi. On l'a bien géré, mais on s'est fait peur en finale, ouais. Qu'on rattrape bien Alu qui devient absolument insane. Enfin, tout le monde se met dedans et on va leur voler, quoi, d'être pixel. Et SWC, pareil, hein, là, ça se passe globalement bien. Bon, on s'est fait bien défoncer par Blue. On pensait pas que ça allait être aussi sévère non plus. Les ultimates, on les fait, parce qu'on a besoin de petits objectifs. Sinon, si on joue de chez nous, on fait que des pracs et ça travaille vraiment. Parce que je veux dire, ça fait quand même 5 mois et 5 mois où t'as que des petits trucs comme ça. Tu peux même pas faire les qualifications globalement online parce que Uzi est ban. On entend par-ci par-là, mais en plus, la seule qu'on aurait pu tenter, NPK était parti en vacances à Hong Kong, pendant 2 semaines. Et on s'est tombé, on l'a appris, il était déjà parti, que ça allait avoir cette occasion. Donc je pense qu'on a fait un bon 5 mois globalement. On s'est fait peur, mais on a fait un bon 5 mois. Là, on est clairement déçus sur cet événement. On était vraiment motivés, se dire ça va être cool, ça va être stylé, etc. Et ça a été déception sur déception au fil de la LAN. Et on termine un peu sur une mauvaise note, quoi. On n'est pas passé à rien de...
d'être vraiment en confiance pour la saison prochaine. À voir, là, il faudra qu'on en discute, parce que bon, là, comme je dis, c'est à chaud, on sait pas trop. On a des objectifs globalement à venir, mais. Ouais, faut qu'on discute de cette LAN, quoi. Faut qu'on débriefe, parce que la dernière map, c'est pas possible, quoi. Donc une remise en question à venir. Ensuite, on va parler vite fait de vos projets pour 2016, ou du moins pour la première partie de saison, parce que déjà, vous allez sûrement rester ensemble. Les prochains événements online, parce qu'on voit pas beaucoup online, par exemple, on voit pas trop non plus. Les minors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez participé? Voilà. Les minors, clairement, ça nous intéresse, hein. Je pense que ça intéresse à peu près tout le monde. Maintenant, c'est savoir si on va pouvoir les faire, en sachant que Uzi a déjà fait un... Rien à dire. Mais juste, ouais, savoir si pour le minor, Uzi sera déban, s'il est déban. Ça, c'est encore une interrogation, encore. Après, nos projets pour 2016, clairement, ça va tout dépendre au final du déban de Uzi. Savoir s'il est déban, on va pouvoir commencer à voir un peu plus loin, commencer à faire des qualifs inter, faire des tournois inter. Je pense que clairement, c'est nos objectifs à nous. Maintenant, tout va dépendre du mois de février, savoir s'il est déban ou pas. Alors, rien à ajouter. Tu utilises les minors. Ouais, minors, les moments online. Ouais, c'est pareil, ça dépend du déban d'Uzi. Hein, surtout, on aimerait bien participer à plein de choses, mais on est un peu bloqué là-dessus. Et dès qu'il y a l'occasion de faire, on fera. Mais pour l'instant, on prend ce qu'il y a moyen de prendre, quoi. Donc, les petits trucs auxquels on a invité. Il y avait la Dingit qu'on aurait bien aimé faire, mais le mec a delete Lipton sur Skype après nous avoir proposé de jouer parce qu'on a dit qu'on faisait une pause de 2 semaines, pareil dans cette période où Pierre était parti, donc un peu le bad, mais voilà. Ensuite, tout à l'heure, tu nous as parlé qu'Apex finissait à 30 kills, qu'il leadait, t'es vraiment carré avec ses joueurs. Comment, avec des joueurs par exemple comme Cartou qui vient un peu de nulle part, comment ils ont pu faire quelque chose de bien, enfin la différence entre vous, le subtop et les tops, vous placez par vos subtops aussi. Tu veux ? Alors moi je pense que par rapport aux résultats qu'on fait, c'est quand même en grande partie grâce à Apex, parce que pour moi Apex fait clairement partie des meilleurs joueurs au niveau de la vision de jeu. Je pense que clairement au monde, je pense que c'est un des meilleurs. En France, en tout cas, c'est sûr. Et il a su gérer ses troupes. Ses mates ont bien joué, clairement. Ils ont tous bien joué. Ils ont tous fait leurs actions. Cartou, c'est vrai qu'il sort de nulle part. Au final, il a su s'adapter. Je pense qu'il a très bien écouté Apex. Et du coup, il a fait son taf. Il a fait exactement ce qu'il devait faire. Je sais pas. Pour le reste, savoir si entre nous, le top, il y a un fossé. Je sais pas, enfin on sait pas, on n'a pas vraiment eu le temps de se jauger. Parce que clairement là contre le top on fait que des pracs, on fait pas vraiment d'officiel. Donc on peut pas vraiment se jauger. Les seules équipes contre qui on pouvait se jauger, c'était White et Blue, et voilà, au final ils sont pas là quand on est en équipe. Donc clairement est-ce qu'on a le niveau du. Est-ce qu'il y a un fossé? On sait pas. C'est le point d'interrogation. Juste là, pour moi, par rapport au ressenti, comment j'ai vu Apex jouer globalement sur les deux maps, tu le ressens, enfin, qui connaît le jeu vraiment de manière très pointue, enfin, le mec il a gagné un major. Sur Mirage, il venait pick ses kills. Je sais pas comment dire, le mec il savait, quoi, il nous faisait bouger un peu comme il avait envie, t'avais l'impression, et c'était. Bon, après, il y avait nous aussi, on avait vraiment pas, je sais pas comment dire, l'énergie qu'on a eu sur la deuxième map. Mais tu le ressens. Juste sur Inferno, je te dis, c'est la map, elle est grande, c'est un peu du chacun son truc, quoi, en CT. On a réussi à tirer avantage de ça, on a joué K4 tout le long, et c'était sur les revenge, et à ce jeu-là, on a gagné. Et Kubble, c'est vraiment, ils nous ont. Le mec, il nous a carrément détruit à la vision de jeu, quoi. Ils nous ont deny toute la vision tout le long, ils ont. Rediriger où ils voulaient globalement, ils plaçaient même des coupes ou pas parce que ils nous ont défoncé, quoi. 14 ans, c'est dur après d'essayer de continuer dedans. Le GR, on y croit un peu et au final PNPK le perd en 1v2, je crois. Ça scelle un peu notre sort, quoi.
Bon bah merci, je vous laisse le mot de la fin, si vous avez un mot pour votre sponsor, enfin votre sponsor, votre Wicked Game du coup, l'organisation. Bah merci à Guillaume, notre manager, qui nous a vraiment aidé globalement sur tout le long de la saison, qui est venu d'ailleurs au début, puis un peu comme LDLC, il a fait c'est mort, moi je me casse. Et bah sinon bah merci à toute l'équipe, parce que mine de rien, ça fait quand même. Les gens ne pensaient pas qu'on allait tenir ensemble plus de quelques mois, enfin plus de 2-3 mois de ce que j'ai lu. Et là ça fait 5 mois, quasiment 6 il me semble. Donc ouais, on est quand même fiers de ça, on a fait des résultats corrects. Et bah merci à ceux qui nous suivent et à ceux qui nous supportent. Et je sais pas, Lipton, ça y est, moi. Bah à peu près pareil, on remercie tous ceux qui nous supportent. On fait un petit clin d'œil à tous ceux qui disaient sur la news ça tiendra pas plus d'un mois. Là on est là ensemble, on est ensemble depuis juillet. On fait globalement des bons résultats. Là, notre seule déception au final, c'est de pas avoir gagné contre un mixte. Voilà, enfin c'est pas non plus ce qu'il y a de plus grave. Donc voilà, on remercie Guigui bien sûr qui fait beaucoup de taf chez nous. Et puis bah voilà, et puis merci à toute l'équipe pour cette année quoi. Et j'espère que l'année prochaine sera meilleure. Inch'Allah. Merci à vous. Salut, c'est Goy bien sûr, boîte à questions vacarme avec Kendrick, ça va mon grand? Toujours. Il sort de la Syrie gros, mais lui faut pas l'arrêter, il est barbu, mais c'est un bon gars. Vas-y, vacarme box gros, vas-y, prends le micro, mais je vais mon coca.